Le plus important, c'est apprendre des choix qu'on a mis en place. Je m'appelle Loïc, j'ai 31 ans, je suis le fondateur d'En Immersion et j'ai commencé cette aventure entrepreneuriale il y a un peu plus de 12 mois. Je commence chaque journée en écoutant, en lisant ou en regardant un contenu inspirant. D'ailleurs, je recommande le podcast Les Nouveaux Aventuriers de François qui met en avant des transitions inspirantes. Mon booster, une micro-pause de 5 minutes à l'issue de chaque heure. Je termine par une marche à l'extérieur, par l'écoute d'une chanson et ça me permet de commencer l'heure d'après avec de l'énergie. Le choix le plus important, ça a été de lancer en immersion, de lancer ce projet entrepreneurial qui me permet de conduire un projet plus en adéquation avec mes valeurs, qui a un vrai impact pour les habitants au quotidien. C'est un conseil qu'on m'a donné au début de mon projet qui était un peu contre-intuitif, ne pas chercher la perfection. Cela veut dire ne pas avoir peur de lancer quelque chose sans qu'il soit parfait. Ça permet de collecter beaucoup de retours de la part de nos utilisateurs, de l'améliorer et de ne pas au final développer quelque chose de notre côté sans l'avoir confronté à la réalité. Et je conseille à tous les entrepreneurs de sortir de nos pôles urbains, de sortir des villes dans lesquelles on a l'habitude de travailler pour aller rencontrer des personnes inspirantes. J'apprends énormément au contact de nos habitants. Ils ont des quotidiens, des parcours de vie différents du mien et c'est hyper enrichissant. Ça permet de développer énormément d'idées, d'inspiration et de motivation.